La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, et traditionnellement, dans ce dimanche de l'Avent, on évoque la venue du Christ, et la venue du Christ est précédée par la prédication, par l'appel, par la proclamation de Jean le Baptiste. Alors, cette année, donc, c'est dans l'évangile de Luc que nous le lisons, et dans un premier temps, Luc, en tant qu'historien, prend soin d'inscrire la prédication du Baptiste dans le temps, en évoquant l'histoire. Il évoque Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Anne, Caïphe, toutes les références de savoir dans quel contexte historique nous nous situons. Et voilà, quel est le sens de ces rappels historiques, là, au commencement de l'Évangile, selon vous? Moi, je pense que Luc veut inscrire l'histoire du salut, l'événement qu'il va raconter, dans l'histoire universelle. Ça s'est effectivement passé à cette époque-là, dans notre histoire à nous, d'êtres humains. Histoire universelle. Je pense que c'est pour ça qu'il fait ça, en fait. Il nous donne quelques indications, effectivement, sur les pouvoirs politiques et sur les pouvoirs religieux. Ce qui permet de dater à peu près, d'ailleurs, dans les années 28-29, ces événements, l'application du Baptiste. Voilà. Donc, après, c'est assez précieux, en fait. Voilà. Et après avoir donné une précision historique, c'est ça. Ensuite, il y a une précision géographique. Oui. Quand on dit Jean donc prêchait dans la région du Jourdain. Oui. Et moi je trouve très intéressant après qu'il ait cité tous ces grands personnages politiques. Oui, oui. Il cite cette petite personne qui est Jean. Oui. Un type qu'on connaît pas, fils de Zacharie dans le désert. Oui. Il vient de citer des grands de ce monde en fait, du monde de l'époque. Oui. Et d'un coup il y a la parole de cet homme qui arrive. Discrètement dans un désert et pas dans un palais. Et j'aime bien ce contraste parce qu'on dit que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. C'est ça, le contraste entre dans notre histoire, les rois, les tétrarques, les chefs religieux, et puis voilà quelqu'un qui est pas dans le quelque désert. Quelque chose de quasiment insignifiant est en train de se passer. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça et j'avais pas vu ça dans mes lectures précédentes. Mais c'est la parole de Dieu qui retentit à un être humain. Dans un désert. Dans un désert. Donc c'est fort et c'est en même temps insignifiant. Donc moi je me dis, en lisant ça, je suppose que les premiers auditeurs ou lecteurs ont dû se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelle est la suite de cette histoire? Enfin, voilà, un peu suspense, un peu comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour marquer, et même pour souligner l'opposition que vous marquez, il est dit, parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Fils de Zacharie. Et ça rappelle, pour les lecteurs de cet évangile, l'évangile de Luc commence par Zacharie qui était prêtre, qui fait son office au temple de Jérusalem, et c'est lors de son office au temple de Jérusalem qu'il reçoit la visite d'un ange qui lui annonce qu'il va avoir un fils. Qu'il va avoir un fils, lui qui était trop vieux pour en avoir. Donc à l'image d'Abraham, un couple stérile, trop âgé, va avoir un fils. Mais ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est que ça nous rappelle, incidemment, que Zacharie était prêtre. Oui. Était prêtre. Et si Zacharie est prêtre, Jean aussi est prêtre, parce que la prêtrise est une... Il est censé devenir prêtre à la suite de son père. Est héréditaire, je veux dire, c'est une fonction héréditaire. Et donc, la place naturelle de Jean, c'était d'être au temple de Jérusalem. Absolument. C'était d'être dans cette lignée des tétrarques, des religieux et tout ça. Et au lieu d'être au temple de Jérusalem, Jean est dans le désert. Et rien que dans ce fait-là, Jean prêchait dans le désert, il y a... en sous-jacent ou suggérer quand même une critique du fonctionnement religieux du temple en disant ça n'est pas au milieu des heures du temple
que se prépare le chemin du désert, du Seigneur, mais c'est dans le désert. Mmh. Et c'est souligné à travers cette petite mention de Jean qui était fils de Zacharie. Oui, qui entend dans le désert, mais il ne prêche pas dans le désert dans Luc, c'est intéressant. Dans d'autres évangiles, on nous dit qu'il prêche dans le désert, il annonce la parole dans le désert. Mmh. Et dans Luc, on nous dit, c'est dans toute la région du Jourdain qu'il va proclamer la parole. Mmh. Une région qui est beaucoup plus peuplée que le désert. Mmh. Ouais. Donc il va à la rencontre des gens parce qu'il veut que son message soit entendu. C'est ça, mais il n'appelle pas les gens à Jérusalem, mais il va chez les gens. Voilà, absolument. Pas au temple, mais il va là où se trouvent les gens, c'est-à-dire dans la campagne. Enfin, voilà. Et là, il y a quelque chose de l'évangile qui nous est dit, de l'évangile qui se prépare. Oui. Il y a un germe qui est là, une annonce discrète, mais retentissante et discrète en même temps. Retentissante et discrète. Bon, et puis donc, et quelle est la parole que Jean proclame donc dans la région du Jourdain. Alors c'est cette parole proclamant un baptême de changement radical. C'est ça. Alors. En fait, un baptême de changement, ça veut dire quoi? Alors changement radical ou conversion. Oui. Un baptême de changement radical, de conversion. Je dis puisque Jean va annoncer quelque chose de nouveau qui va se produire, il faut que les cœurs soient nouveaux, il faut que les cœurs soient neufs, que les cœurs se préparent à accueillir une nouveauté, parce qu'une ère nouvelle va arriver. C'est ça que Jean va annoncer. Et pour que cette ère nouvelle soit accueillie dans les cœurs humains, il faut que les cœurs se réforment en profondeur. Alors, l'expression d'un changement radical, donc c'est la métanoïa. Oui. Alors, métanoïa, étymologiquement, c'est-à-dire le changement de pensée. Mmh. C'est le changement de, on pourrait dire aujourd'hui, le changement de logiciel, je ne sais pas. Enfin, ouais, le changement de regard sur le monde. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la métanoïa en grec traduit un mot hébreu qui est la teshuva. Et la teshuva, ça veut dire le retour. Le retour vers Dieu, c'est-à-dire que l'appel à revenir vers Dieu, l'appel à ne pas rester enfermé dans ses habitudes, mais à être à l'écoute qu'il y a quelque chose qui arrive, et ce quelque chose appelle un changement de notre part. C'est ça. Et ce changement qui est le retour vers Dieu, et c'est cela donc quand Jean appelle à la métanoïa, à la teshuva, dans la région du Jourdain, il appelle les habitants en disant, voilà, il y a quelque chose qui arrive, ça vaut le coup de changer de vie pour essayer d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a de bien. C'est ça, préparez-vous. Il dit bien, préparez le chemin du Seigneur. Ouais. Rendez droit les sentiers. Ouais. Donc, préparez vos cœurs, préparez-vous. Nivelez ce qui est trop haut, comblez les choses. Enfin, voilà, c'est... Il prend cette image de la nature qui est très forte, en fait. Alors, on va venir là sur la citation d'Ésaïe, mais avant de revenir sur la citation d'Ésaïe, encore là, presque chaque mot a tout son poids dans ce récit-là, on nous dit un baptême de changement radical pour le pardon du péché. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi le pardon des péchés? Alors, le pardon des péchés. Alors, on est... Les péchés, à l'époque, pour se débarrasser de son péché, il fallait faire des cérémonies au temple. Il fallait offrir des sacrifices, etc. Et puis il y avait une fois par an ce grand pardon mis en scène en tout cas par le grand prêtre qui lui seul pouvait le faire. D'ailleurs le père de Jean-Baptiste est prêtre pour cela. Mais ce pardon des péchés, comment dire, ce sont des rites qui permettent de se libérer de nos péchés, du pardon. Ouais. Or là, on a quelque chose de nouveau qui vient. On sent qu'il y a une demande de repentance, de changement, et ce pardon va être symbolisé par une sorte de se laver dans l'eau, quelque part. C'est ça le sens du baptême de repentance pour Jean, qui n'est pas le baptême du Christ, on en parlera plus tard après. Donc voilà, ce pardon des péchés, c'est ça. Jean va donner une autre façon d'être pardonné de ses péchés que d'aller au temple pour faire un sacrifice. Ah voilà, alors ça c'est ça qui est très important. Ça c'est une nouveauté qui arrive là. On sort un peu des rites habituels demandés par tout juif qui veut être pieux et en règle devant Dieu. Pour être en règle devant Dieu, ça va se passer autrement maintenant. Okay. C'est ton cœur qui doit changer plus que d'offrir un rituel. Ça se passe à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Il y a un passage dans l'évangile dans lequel quand il y a un malade qui est apporté par ses quatre amis là, au pied de Jésus, et Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. Et les religieux disent au nom de quoi aussi le pardonner les péchés? On n'est pas dans le temple, c'est pas lui. Et donc, une des nouveautés apportées par Jésus et proclamée par Jean ici, c'est qu'en Jésus, il y a une nouvelle compréhension du pardon qui va arriver, qui va être possible en tout cas. Ouais, qui est possible et qui n'est plus un pardon qui passe par un rite, mais qui est un pardon qui passe par
pour l'ouverture de notre cœur, par c'est ça. Par une attitude de cœur. Ouais. Et d'ailleurs, derrière le pardon, on peut voir le pardon par rapport à une faute, mais on peut aussi voir le pardon par rapport à une libération. Enfin, je veux dire, le pardon, c'est quoi? C'est être libéré de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous empêche de vivre. Et j'en dis, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, conclusion, il y a une nouvelle vie qui est possible, il y a un nouveau changement qui est possible. C'est ça. Et qui vous libère de tout ce qui vous abaisse, tout ce qui vous oppresse, tout ce qui vous empêche de vivre. Ce qu'on appelle le renouveau et le salut, c'est ça le salut, non? Ouais. C'est un renouveau, c'est une compréhension du salut. Oui, ouais, je crois. Et puis donc, ce pardon des péchés est annoncé à travers la citation du passage d'Ésaïe, Ésaïe 40. Donc, alors, les quatre évangiles évoquent ce passage d'Ésaïe. Alors, que pouvez-vous en dire vous-même d'abord? Alors, Luc rajoute cette phrase de verset 6 là. Oui. À la fin, alors description qu'on a vue tout à l'heure, mais tous verront le salut de Dieu, oui. Dit-il. Oui. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il nous dit, on ne parle pas de salut, on parle de la gloire de Dieu sera dévoilée, oui. Et tous la verront ensemble. Oui. C'est un peu différent, voilà. Oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il parle de cette notion de salut, ce qu'on vient de dire, c'est ce renouveau fondamental. Et tous le verront. Et tous le verront. Le tous, c'est les nations. Enfin, c'est tout le monde. Ouais. Et dans Luc, on sent cette notion de l'évangile, c'est pas que pour les juifs. Ouais. C'est son premièrement pour les juifs, mais il y a cette ouverture au monde. Ouais. Il y a toutes les nations. C'est la singularité de l'évangile, ça. C'est cette ouverture de la parole au monde. Et oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Luc, c'est celui qui a aussi rédigé les Actes des Apôtres pour montrer que cette ouverture de l'Église au monde, ce message va arriver pour tout le monde, en fait. Voilà, je ferme la parenthèse, hein. C'est pas notre propos, mais... Alors, je crois qu'il faut aussi dire, voilà, que ce verset-là se situe au chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Oui. Le chapitre 40, c'est le commencement de la deuxième partie du livre des consolations et qui est la consolation et qui évoque le retour d'exil et qui évoque voilà qui évoque un peuple qui est en exil hein, c'est-à-dire qui est coupé de ses bases qui est perdu qui est dans un malheur qui se sent ailleurs et tout à coup qui se sent abandonné par Dieu et dans cette situation d'exil le prophète crie que il y a de nouveau un avenir qui est possible. Hein. Mmh. La voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Voilà, il y a un chemin qui se prépare. Mmh. Et il me semble que ce chemin qui se prépare a été pour les contemporains d'Ésaïe le chemin du retour d'exil, du retour vers Jérusalem. Et ici, dans cet évangile, c'est le chemin, l'arrivée du Christ. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc l'arrivée du Christ est mis un peu en parallèle avec le retour d'exil. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de nouveauté qui apparaît, et cette nouveauté est proclamée à travers cette référence au passage d'Ésaïe. Oui, tout à fait. Et puis, il le dit avec une certaine envolée, presque lyrique, en disant, voilà, toute vallée sera comblée, toute montagne sera baissée. C'est, voilà, comme dit que la création tout entière célèbre ce qui advient. Et donc, on peut dire que presque avec ces citations, Luc est lyrique pour proclamer celui qui vient. Et en même temps, il y a un double mouvement. J'y pense maintenant, là. Oui. C'est qu'en fait, dans cette partie d'Ésaïe, là, les chapitres 40 à 55, il y a un double mouvement, comme dans ce texte-là, d'ailleurs. Oui. Un double mouvement où, un mouvement qui dit, mais revenez à Dieu. Donc, convertissez-vous, etc. Dans notre passage à nous. Et Dieu dit, mais moi, je viens vers vous. Et c'est moi qui vais faire le plus gros du travail. C'est moi qui vais pardonner vos péchés. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je vais vous pardonner. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et je vais vraiment vous pardonner complètement. Ça, c'est, je pense à Ésaïe 55. Je l'ai pas complètement en tête. Oui, et en fait, il y a ce double mouvement. C'est Dieu qui va faire le travail de pardonner les péchés. Oui. Mais il faut que le peuple revienne. Donc, il y a ce double mouvement qui s'opère. Oui. Et je pense dans Jean aussi. L'appel au baptême, c'est « je viens vers Dieu », mais c'est Dieu qui vient vers toi, en fait, parce que le salut vient vers toi. Donc, il faut que les deux se rencontrent. Voilà.